pour que ça guérisse. Alors, ce qui est chaque fois que tu as toujours un retard, enfin, d'accord, il faut réfléchir tout le moment. Bon, ça va aussi me déranger. Si j'ai besoin d'une soeur, je vais rappeler ceci ta soeur. Je suis tout pour toi, chérie. Tu sais qu'il y a un mot couvre-toi. Je sais, mais c'est pas pareil, voilà. Chérie. Mais quand tu dis, mais c'est pas pareil, je ne crois pas ça. Si, je crois, mais je sais que toi, tu as une famille. Non. Si. Non. Écoute-moi aussi. Je t'écoute. S'il te plaît. Je t'écoute. Je te comprends totalement. Donc, on m'a aimé dans un papa, à sa maman, je suis ta sœur, je suis tout. Et voilà. Marie, je comprends, mais essaie de me comprendre aussi, s'il te plaît. Si tu comprends, je peux te comprendre. Non, mais tu sais, tu dis que tu remplaces mon père, ma mère. Mais toi, tu as des vrais parents qui sont réels. Tu as une sœur qui est réelle. Écoute, mais Omar, il n'est pas réel. Son nana pour son tour, non, ton nana. Avec qui il y a Marie-Hélène? Non, tu ne comprends pas, moi. Je suis sûr que Coton m'a tenu à Marie-Hélène. Il y a ton frère qui est là. Ce sont au Coton m'a pénaillé. Tu sais, peut-être que tu comprends ça parce que, excuse-moi, mais toi, tu as vraiment une famille. Tu as des souvenirs. Mais, n'est-ce pas, moi, étonné, hein? Chérie, n'est-ce pas, moi, essaie étonné, de comprendre hein? Que deux fois, je. Que donc, ça me fasse attendez, mal. Attendez, tu veux dire qu'ils m'ont étonné d'eux? J'ai pas dit ça. Ok. Mais pourquoi tu veux pas d'abord m'écouter aussi? Tu veux seulement que je comprenne le. Je comprends bien que tu es tout pour moi. Mais tu sais, il y a des fois, j'ai besoin d'une sœur. J'ai pas assez de complicité là. J'aurais bien aimé avoir une mère qui allait m'écouter peut-être. Ou tu sais, c'est différent. Tu sais que je t'aime. Je sais. Mais attends, je t'avais donné un programme qu'on doit aller avec des amis du côté de Tselé et tout ça. Non, mais j'irai pas, moi. Pourquoi? Et puis mon cœur, tu sais très bien que le lundi journée, on a hôtel à Basserine, et puis tu me demandes d'aller avec toi. Ça va pas ou quoi? C'est quelle journée tu parles? C'est une journée internationale de regarder des séries ou comment? On peut dire ça. Et écoute, mon amour. Je suis très sérieuse. Je suis sérieuse dans ma question que je vais te poser tout à l'heure. Vas-y. Est-ce que ça pourra arriver que tu regardes notre film? Pourquoi pas? J'ai des yeux qui voient. Comment? Je suis sérieuse. Dis-moi. Genre. Ah bon? Voilà, d'accord. Non. Je t'ai dit, non. Et pourquoi cette question? Mais pourquoi je te crois pas? La coquille d'été, il ne faut pas insister. Mais on vit comment maintenant? Dis-moi, tu n'es pas douce comme avant, chérie, tu commences à réagir. Mais Pierrot, je n'irai pas, non, je n'ai pas envie de sortir avec toi. Tu veux que je le fasse en dessin pour comprendre? Ben, tu es qui chez moi? Dis-moi. C'est ça? Ça suffit hein, pour toi, mettre l'anneau sur le doigt et puis c'est bon pour toi. Mais tu m'as posé une question, je suis ta femme. Et le reste, tu t'en fous de ça. J'ai besoin de ma femme, qu'on passe des temps ensemble et tout ta ça. Ta femme n'a pas envie de sortir. Tu peux comprendre cela ou c'est difficile? Je crois que c'est la quatrième fois que tu l'as fait. Si je te propose un truc, tu refuses. Non, je t'ai parlé. Faut pas faire ma histoire d'embêter là. Je t'ai parlé l'autre fois. Mais non. Attendez. Je sais, ma sœur est bizarre. Qui mon petit là un jour, on parlera moi si un peu tout. Moi, c'est un solo taquet. Son homme est en train de lui tromper.
avec notre go et bien on dit que tu as des bêtes en bas. Pourquoi ça me met? Je préfère des histoires comme ça. Parce que quand tu commences à me dire, je te trouve pas alors. C'est pas pareil déjà d'avoir l'histoire de ton petit là. Je sais pas sa femme si elle délirait ou quoi. Moi je te parle sérieusement, maman. Je sais que vous les hommes, vous vous rassasiez pas des gens. Ça, c'est... Maman? Michou que je connais. Ah, Pierrot. Arrête d'insister. Ok, ok. D'accord. Ok. D'accord. Je vais sortir celle-là, alors c'est bon. D'accord. Merci. Ok. Et puis, n'oublie pas de manger là-bas. N'oublie pas de manger là-bas, parce que moi, peut-être que je suis là, je me vois pas dans mon lieu, et ça, les bandes à bouer, d'un côté de la cuisine, là-bas, dans ce cas, pour te faire à manger. Donc, mange là-bas. Ok, c'est bon. D'accord. Ok. À ce soir. Bisous. Accompagne-moi. Sentiment-là de... Et je veux pas être hypocrite, je veux pas te cacher, toi, mais je me dis de tout te dire. Et je préfère que tu saches que je supporterai pas que tu me fasses du mal. Oui, allô? Oh, comment tu vas? Non, je t'ai appelé avec mon numéro fixe hein, de la maison, c'est RTL. Ben non, parce que ça nous aide. Rosa Libanda, Bengi, la maison, même moi, j'appelle deux fois ma femme avec ces numéros. Oui, ouais, pour contrôler la maison et tout le monde, tout ça. Non, c'est avec le routeur. C'est avec le routeur. Donc, oh, yo, ibide. On a la retard. On a la retard. RTL déjà, tiaba routeur naïe internet na marché. Routeur avec téléphone fixe. Bien sûr. Le routeur, c'est juste à $50 et puis le téléphone, on est à $25 y a pas mal.
Ben, problème, c'est que Nassimana, on est pas avantage et bélé, papa. Hi. Oui, j'avais acheté qu'à 75 dollars, mais Nazwa 35 gigabytes. Nazwa, donc, je veux dire quoi, par jour, bah, 500 mégas pendant 30 jours. Et puis, Nazwa, sous 50 minutes, RTL. Donc, bah, avantage et bélé. Au-delà de l'imagination, je te jure. Ben, mais attends, tu sais, router d'anga, on a connecté à mon appareil nion sur Yandaku, quel que soit la télévision. Oh, nion sur ça, l'internet, même bafrigo, comment internet, baby. Ouais, ma caméra de surveillance, tout, juste avec ce téléphone, avec le routeur aussi. Oui, le routeur internet, oui. Et autonomie à 8 heures du temps. Donc, je peux me déplacer avec ça, na tamboli, nango, donc sans problème. Mais si la charge, t'es. Mais attends, on fait comment? On se voit où? Alors, la gare centrale, derrière la CENI, tu as parlé des ex-assons et frères, hein? C'est l'immeuble GG, ouais, je vois, premier niveau, la boutique. Oh, mais boutique, toi, tes boutiques, là, à la tarate. Dans toute ma collection, moi, si Kaona, mais non, c'est pour le responsable, n'a qu'un ministre, bazo somba. Donc, Boutoutou, bazo somba, et puis Primoro, très bien, tout là, ça va tout. Ben oui. Tout le temps, parce que je dois encore acheter de la Coste et tout ça et la maison 3T. Pourquoi sommes nous comme dans une heure? Mais bon, et puis, nous autres, et tous, on a un privilège, on a un téléphone, on a un gyrophare, il faut avoir des motards. Il faut t'efforcer comment tu dois arriver aux opposants petit à petit. Bon. Les avariés étaient un bon ami, soit. Papa, je suis un peu plus de temps. Oui, tu vois. Coquin, ni tu. Jamais n'a les amandas ou bon à couteau n'en d'accou. Mais c'est normal, n'a qu'un dame ça là. Papa, c'est 23h. D'accord. Attendez un peu. Y'a pas un amour. Non, attendez un peu. Quand tu commences à dire, c'est 23h. Non, au bout de là, on va mourir. C'est que ça, c'est rien, c'était mais n'a pas eu deux fois en gros et salimé. Je suis allé à la maison. Oyebi famite ba yebi soki yonde za bongo botama na mutali boma mutali boma ngo pa kufa na ye oyebi tata te ana mutu te bana ka mutali boma banai ko bota ba maser ba zozoa na ajimo bo yabimi tuki azaka umuna tika za très soucis okute ka wona za ka frustré avandi ye moko atayu moko papa mutali boso ya kolakisa mwana na affection bolingwa ko malokwa nde ko na eza yo. Yo pe camarade na ya liboso. Utika mo sino yo moko ta mor mingi mo sa zala kaka ye moko papa yo zala raté. Zala pour ya pesio. Ya yanga ni mo sa batu geta lo. Alo binanga elo côté. Et ce geti na lo ba ngaso na ki kuna ka mwana ni me na sekisi ye kabela nga bo pesa nga. Ya lo ba. E banana ndeni geta bandu pesa rapport na we pananga. E papa bongote. Ça va? Oui, ça va. Non, je suis en train de parler avec mon frère en France. Oh, et ça, on a pu appeler l'international? Bien sûr, oui, vous en avez entendu parler de ça, l'appel international. Ah bon, moi, je ne savais pas. Mais écoute, moi, je sors avec mes amis. Je vais rentrer vers 23h. 23h pile, je serai déjà à la maison. Mais attends, sérieux? Bah, si. Et écoute, monsieur, c'est une blague, attends. Je l'ai l'air d'une personne qui lui. Écoute. Bah dis-moi. Écoute. J'ai l'air d'une personne qui blague. Je rentre à 23h. Ah, ce soir, papa. Hé, je te parle. Ah, Pierrot, à ce soir. Mais c'est quoi ça? Depuis quand? Avant, c'était 18h et puis 19h, 20h. Mais non, Zoom, ça va RTS, c'est à 23h. 23h. Je sais pas, moi, minuit, 1h, ça fait quoi? Je vais toujours rentrer à la maison, non? C'est pas comme si je t'ai dit que Pierrot, mais écoute, là, je vais découcher, je vais pas rentrer à la maison, mais non. Calme-toi. Mais attends, c'est le contraire ou quoi? Et reste là, je te parle. C'est comme si moi je suis devenu maintenant une femme, toi tu es un homme. Et puis tu me dis ça que, attends, 23h, je vais dormir, je vais rentrer de toutes les façons, même si je ne vais pas découcher. C'est à moi de dire ça ou bien à toi? Dis-moi.
Moi, si elle dit balle à son mobile, n'est qu'attends, je vais sortir parce que laisse-moi le temps, je vais rentrer à 23 avec mes amis. Pour faire quoi avec tes amis à 23h 22h, 23h. Moi, si elle dit balle à son droit à éviter. Tu as droit. Pour balle à qui si, pour balle à qui comme esclave, comme moumou, pour balle à qui caca. Non, donc, ça c'est un droit à éviter. Non, c'est dans le respect. Ah non, mais Piro, écoute, tu abuses. Ça fait quoi? Même si je rentrais à 23h, minuit, 1h, c'est où est le problème? C'est quoi le problème? C'est pas comme si je dis que Piro, écoute, je vais découcher. Non, mais je vais seulement rentrer à la maison. Michou, tu répètes? Ah. Tu le répètes? Ah, hey, Michou, Piro, pardon. Michou, je t'appelle, ah, Michou. Laisse-moi. Mais c'était quand? Et puis c'est quoi ça? Michou! Mais... Nana yoka nazo akaiye lokwa leki moko ya suka wo bazanga ko botelanga na mama ya mwasi ikoma mwana ana. Mais ce qui a pu se rapporter. Et je m'as siente. Uma. Za m'as siente ça. Uma. Na yebi soke na leka na ndaku jamais na kuta ona ndaku. Ya mabebo. Parce que le kaka chaque jour. Bon, non, je vais essayer un peu d'aménager. Tiens la maison. Azangini. La nanga yao. Donc, je... au moins, bien Azangini. Azangini. Azangi affection. Et pas na yo. Biloko a collé à ceux qui sont dans le restaurant. Il y a un peu de temps à restaurant. Moi, je vais dans un restaurant. Oh, il y a un restaurant. Il y a un restaurant. Il y a un restaurant. Et oui, il y a des choses. T'as non, Tu as un peu de temps. Je te jure, je suis très content de te revoir. Après combien de temps? Je sais même plus. Donc toi, t'as eu le temps de calculer tout ça. Mais attends. Tu sais, des fois, je regrette. Mais je peux pas regretter. T'es déjà mariée. Mais attends, Lokwa. Tu sais que toi et moi, il y avait de bons souvenirs. Je sais trop, mais... Et je peux t'appeler même mon ex préféré. Ah ah. Oui. Jusqu'à là. Oui. C'est mon ex préféré. Ok, je ne savais pas. D'accord. Eh bien, tu sais, c'est vrai que je suis dans le mariage. J'ai ma femme, mais... Des fois, je me pose des questions. Mais comment est-ce que je perds le quoi dans ma vie? T'arrête. Comment tu peux dire ça? Laisse-moi le dire. T'as une très belle femme. La foi est en bas. Je ne peux pas continuer comme ça. Vous comprenez? Alors, je sais, aux années à venir rébeller, tu es encore célibataire. Tu es une belle femme. Je parie que mi bal pe belé ba chakor mi sou kardozo. Et puis mi bal basé belé. O ba le kinga pe na ba moi basé kardozo. Pense à cette femme là qui est à la maison. Elle est femme comme toi. Mi tcha na place na ye si ezaki yo. Puis tu apprends que
mobile n'ailleurs comment la fille mousse sur le banda, qu'est-ce que ça peut faire? Vous comprenez, qu'est-ce que ça peut faire? C'est vrai, ça l'a passé. Et ça l'a passé. Bon, avec deux, trois jours, on s'est porté et les cacardozo. Mais permets-moi, tocat aventure, encore à son salon. Je suis vraiment sérieux, encore à son continuer aventure. Nous avons besoin de la libérer, nous avons besoin vraiment la libérer au cardozo. Vous êtes libre, ça n'a pas de balana yo, koutana moutoumou ko, à cause de la fondée de la lobby, ou ça la vie n'a bino. Pourquoi pas? Déjà, moi je me dis que entre nous deux, mon ça déjà chez moi. Tu es marié, je suis aussi engagée dans une relation très, très, très sérieuse. Mm. Ouais. Alors, moi j'aimerais que tu sois heureux dans ton foyer. Donc, tu as une relation sérieuse, c'est bien ça? Sûr. Toi, tu es déjà mariée, j'ai aussi une relation sérieuse. Je comprends. Voilà. Tu l'aimes aussi? Bien sûr. C'est quel genre de question, ça? Non, c'est juste une question. Ben, ouais, c'est bien. D'ailleurs, je t'ai déjà dit ça, donc bonne chance. Et moi, j'aime ça qu'on reste des amis. Pour moi, après l'amour, ouais. C'est l'amitié. Ouais. Ok? Tu es mon ex, tu n'es pas mon ennemi. Dans ces cas, tu mérites une bouteille de champagne? Même deux. Deux bouteilles? Ouais. Moi, je fais trois. Ok, quatre. Attends. Monsieur? Omar, une relation de 3 ans. Et vous m'étonnez cela, c'est comme si on avait fait que 3 jours. Omar, après tout ce que j'ai enduré, Omar et moi, j'étais acceptée comme telle. Je savais que tu étais un homme marié. Mais ça n'a jamais la première place. Je me suis toujours contentée de ma deuxième place. Et j'en suis fière. Oh Marie, qu'est-ce que moi je te fais? Tu ne veux plus de moi, on doit casser la chose. Qu'est-ce que moi je te fais? Tu as raison, Moko, que au salaire qui boye, au respecter ma règle, tout ce que tu m'as dit, tout ce que toi tu m'as dit, n'accepte pas. Tu as air tardif, quand tu es chez toi à la maison, je ne t'ai jamais appelé, même pas un message. Ce qui est béni ngande na yambi au mari pareil que l'ango ezandenge nini o basse mi balé faut ba respecta ka o nga cardozo na ko ko respecter té la ki sanga ta exemple moko bo o ya moi ça malamu o akoza deuxième fois o nga cardozo na ko ko saté je le ferai, tu sais très bien que je t'aime. Non au mari, pourquoi tu me fais ça? Dozo, je vais juste renoncer à l'infidélité. Chérie, l'infidélité, c'est un péché. Infidèle. Ce n'est pas un péché. C'est un désir. C'est un désir charnel. On ne peut pas s'en passer de ça, mon amour, s'il te plaît. On m'a aussi quand on a un coup. On m'a renoncé à un désir. Mon désir charnel, on a renoncé à un péché. Parce que je veux respecter aussi mon Dieu, respecter aussi ma femme. C'est vrai aussi, ce n'est pas facile de mon côté, mais je vais supporter Cardozo. Et comment? Même ma mari au bazar, marié légalement, ça arrive aussi au calobi divorce, ça là. Parce qu'on n'est pas marié. Comment ça? Chérie, toi, tu m'as promis des choses. Chérie, tu m'as promis des choses. C'est fini, c'est fini, Cardozo. Cardozo, c'est fini. Bébé, yo, parce que tu as la décision là. Et la décision là. Ma vie, c'est fini. D'accord? Omar, s'il te plaît. Omar! Elle me répond quand elle veut, comme elle veut, et avec une sale manière, je sais pas moi. Il faut se poser la question. Qu'est-ce que je fais pour que répondre? Je suis sûr que toi là, tu te reproches de rien. De rien. Sûr. De rien, Lokwa. Je te connais, Pierrot, tu sais. Mais attends, Lokwa. Je fais tout. Attends, tout ce qu'elle me demande, moi je le fais. L'argent et je prends soin d'elle. Tu penses que l'argent suffit? Pour rendre une femme heureuse, vraiment. Je n'ai rien fait, je te jure.
je sais comment est-ce que nous les femmes on fonctionne. Alors tu dois juste rester et puis essayer un peu de réfléchir. Tu dois te poser des questions. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que Michou n'aime pas? Ou soit, solo la laïe. Mais je parle avec elle chaque nuit, maman. Tu es sûre? Je te jure, Lokwa. Elle est devenue juste brutale, c'est ça? Moi, je ne vois pas Kabouye. Moi, si Kabouye, Alinga Mobile, Naïba, ça l'a bien Kabouye, Mbamou, qui a changé. Essaye de parler encore avec elle. Parle-la, fais-la comprendre que non, maman, ce que tu fais là, tu me fais mal en retour. Je sais pas. Essaye de faire ça. Avec Michou. Michou a totalement changé. Elle n'est pas douce comme avant. Elle commence à crier et sur moi. C'est comme si elle est maintenant supérieure que moi. Oh, attendez. Comment ça supérieure? Michou n'est pas comme ça, Michou. Je sais pas si tu te fais des idées. Je sais pas parce que ces derniers temps tu es trop stressé. Je ne sais pas. Mais le stress là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Moi, chez Michou? Ben oui, mais moi, en connaissant Michou, je sais pas. Je n'ai jamais connu Michou comme ça. Ben écoute, tu es mon frère, je vais t'expliquer une chose. Tu vois la femme, si elle s'est décidée de changer, tu vas le comprendre même par son comportement, tu vois. C'est ma femme et même pas pour le mariage, on a été déjà avant. Donc je connais mieux Michou. Et lorsque je dis qu'elle a changé, elle a changé. Mais jusque-là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est dû à quoi? C'est ça mon problème. Mais attends, est-ce que tu as essayé un peu de parler avec elle, de savoir qu'est-ce qui se passe? Hein? Essayer un peu de parler, non? Mais je le fais à tout moment. La nuit, c'est pour qui? C'est pour le couple. Je le fais à 1h, 2h, 3h, 4h. Michou, il y a un souci? Dis-moi. S'il y a un problème, tu me dis. Et sa réaction, c'est comment? Elle dit quoi? C'est toujours nul, que non, il n'y a rien. Mais pendant la journée, elle s'active dans de bêtises et tout ça, donc tu vois. Tonton, écoute-moi un peu. Je sais que là, tu as un peu monté, tu as tellement des idées. Mais moi, je te conseille de te calmer d'abord. Calme-toi parce que stress aux alentours, ça peut mal arriver même au boulot. Tu peux te créer des problèmes, tu peux mal gérer les affaires. Donc calme-toi. Tout va bien se passer, vous aurez le temps de parler, vous dites. Même si elle te repousse, mais vous aurez le temps. Mais toi, calme-toi, apaise-toi, calme ton esprit. Maxime Eko de Léo. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, je veux bien. Je peux? Ah. Ok. Quelle question? Comment ça s'est passé? Oui, mais il est qu'une heure. Et en fait, ma course est mieux déléguée et puis ma trouve, mais ça va quand même. Bambouteillage qui est trop ici, tout. On a une voix qui est bonne. On a fait tout. On a fait tout. On a fait une manifestation. Mais tu as quand même pu arriver chez Gloria Pinze. Aujourd'hui, on n'a pas fait ça. Oui, la liga n'est pas naïe, mais après c'est ma dame. Enfin, après ça m'a 5 000 dollars, mais après ça m'a 3 000 dollars. Oh là là, on va se débrouiller quand on a 3 000 parce que le programme de tout ça là qui. Je sais pas, est-ce que Aero ou Roger Souta aussi ça va course en haut? Moi, on m'a ta vie des Aero. Bon, c'est pas facile, mais il faut la mettre à l'heure. C'est comment tout cas on a au. Je t'avais expliqué comme dans un an, non? Oui, comment
fait ça moi son robe et puis frein. On dirait comme qu'il a un problème. Hein? Oui. En fait, il n'y a pas ça de bonne défense. Mais c'est à toi de gérer ça. Ah, bon, maître Wana, il nous donne ça à moi et puis. Moi. Ah, ça fait là maintenant. Mais ça va encore ça. Je t'ai promis vraiment. Faisons ceci. Comme déjà, mon âme montant, on a un programme et s'envoyer. Oui. Dès que tu finis. Il le connaissait déjà. Hein? Ok, pas de problème. Ah, merci. Donc, il n'y a pas eu se servir, il n'y a pas eu pas de problème. Si quand on va construire tout ça en lobby, ok, le bon, ça va pas mal. Ok, non. Ok, ça va. Comme ça, je fais ça aujourd'hui. Cet après-midi, pour aussi votre salle de bon, mais pour qu'il va construire, on a au 4 500, ok, non, on peut la mettre. Tu gères ça bien, s'il te plaît. Son bon, c'est qu'à l'OE, il n'y a pas de problème. Et il faut ça, non, net, mais son bon, c'est qu'à l'OE. C'est mon mari. Ah, ton mari? Ouais. Il s'appelle Pierrot. Ok, Pierrot. Salut, monsieur Pierrot. C'est bonjour, non? Il y a un c'est problème. Écoute, vas-y, installe-toi. Que je m'installe? Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Franchement. Waouh. Ça va? Oui, ça va, c'est chez toi, ici. Tu te sens à l'aise? Oui, très bien, bien sûr. Je suis. Comment dirais-je? Je sais que tu es toujours mignon, mais tu sais, tu le sais au moins, mais tu n'as même pas besoin que je puisse te le dire. Non, c'est pas ça, c'est juste que je suis en train de vieillir et puis lorsqu'on vieillit. Toi, tu vieillis, toi. Ouais, tu vois. Mais je suis comme toi, non? T'as nos os, c'est rajeunir du jour au jour. Oh, c'est rajeunir, car. Nakoli. Nakoli, ça, ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux manger? Non, en fait, manger, ça prendra du temps, en tout cas. Gamou, comme dans ta cuisine, c'est qui n'a l'âme, lui. Ça prend du temps. Non, pour moi, quelque chose à boire, ça peut passer. Tu dois manger. Bah, d'accord, prépare tout ce que tu veux et moi, je vais manger. Ok. Et à boire? À boire, tu as quel vin ici? Tu as du champagne? Si t'en as. Mais écoute, c'est moi, ça va pas ou quoi? Là, tu rêves ou quoi? C'est moi, non? Ah, mais chou! Non, la note est. Ça te dérange? C'est... Ben, c'est que j'ai dit, hein, ça te écoute, mon mari, c'est Kailis. Ouais. C'est mon ami d'enfance. On est étudiants ensemble. T'as depuis maternelle. Hein? Ouais, jusque-là. On s'est retrouvés. Bah, si. Allez, allons-nous-en. Mon ami d'enfance, mon ami était. Donc. Je me suis dit que ma casse est un peu mais le problème est que les amis ne sont pas pour passer. Le problème est que je suis en courant, il faut que je sois en courant. Au cas où il y a un jour, je suis en courant. Je suis en courant. Je suis en courant. Donc vraiment, je suis en courant. En tout cas, je suis en courant. Ma casse est un peu plus de temps. Je suis en courant. Deux fois, je suis en courant. Je suis en courant. Ça sent la nuance. Ça sent la nuance, oui. D'accord. En tout cas, c'est bien la gentillesse. Là, yo. Merci. Bon, c'est quoi, yo? Par rapport à l'expliquer comme ça, là, d'accord pour moi, le salaire combien? Ça dépend de vous, madame.
Oh. Ah, je vois que tu parles français. Ouais, je me débrouille pas mal. Ah, d'accord, ok. Bon, tu me facilites parce que moi, franchement, je préfère parler en français. C'est mieux, tu vois. Ouais, ça facilite la compréhension parce que moi, je réfléchis en français. Okay. Ouais. Merci beaucoup. Donc, 100$, ça te va? Ouais, pour un début, pas mal parce que. La place Mrs. Maou, elle en aura plus que ça, ça c'est comme des sons. Mais avec votre gentillesse, je préfère plutôt tout cela, on en a 100. D'accord, moi, tu es très gentille. Merci. Mais on verra parce qu'on ne se connaît pas. Mm-hmm. Le temps, on a mon appénégo, ça là. Eloni, y'a ma belle Monizana. Tu sais que c'est un manque de respect. Eloni, y'a ma belle Zawana. Une femme mariée. Comment on appelle? Une femme mariée a un droit vité. C'est ça, non? C'est ça que tu appelles la vie? Parce que je suis une femme mariée, donc je n'ai plus droit à une vie, c'est ça. C'est ça que tu demandes. Je te demande ceci, écoute-moi, écoute. Faut pas dire qu'à. Comment est-ce que t'es? Ok? Tu es une femme mariée. Tu veux faire quoi? Tu peux pas ramener ton ami ici, soit disant ami maternel, ami primaire, je sais pas moi. Au Kangé Longinaye, ma mère maternelle, bon, ça là-bas gardien, et tout ça, bon, comme tu n'as pas au Kangé Longinaye. Et puis, regarde, bon, ça va qui? Vous êtes en train de rire, vous êtes bien, très bien. Vous êtes très bien, c'est ça? Est-ce que moi, Michou, j'étais interdit de ramener une fille à la maison? Ah bon? Tu peux faire tout ce que tu veux, tu es librement, je m'en fous, ce n'est pas mon problème. Ah bon? Oui. Michou? Oui. Tu es libre, papa. Tu es libre. Et tu es libre! Oh! Oh, c'est mon ami à moi. Okay. Donc j'ai le droit de le ramener ici quand je veux, comme bon me semble. Ok? Toi, tu me respectes, toi. Hmm? Moi, je t'ai épousé! Moi, je t'ai épousé! Et puis quoi? Ma dot, moi, je versais dans votre famille. Quoi? Moi, j'avais forcé de m'épouser. Moi, si mon zaga m'a l'amour, je trouvais mes choux calmes, tous! Tu avais forcé de m'épouser. Nando bendo spiroyaka, balanga balanga, la benda kio. N'a forcé qui? Ah bon? Ben oui. N'a ça m'a bien, hein? Moi, je mal fait, hein. Moi, j'avais fait. Mais la balayo, hein. Avant, tu te disais, on parlait bien. Chérie, si il y a un problème, on se parlait. Maman, regarde, évite ça, tout ça. Brutalité, moi, continue. Mais nous sommes dans Smackdown, je sais pas moi. Yo, Piro, Ndombasi, elle dit, mère, fille d'Afrique, balayenga. Faut comme esclave, nao. Tu peux maintenant changer ton comportement. Tu le crois, Maxime, ma balayenga, dit, mère, fille à Kinshasa. Faut comme esclave. Mais c'est différent parce que moi, je parle du tout. En quoi? En quoi? Oh, différent en quoi? Différence entre ils ont une tête m'pantini pour nous allons confronter. Et m'pantini. Ok. Différence c'est ça parce que toi, j'ai cries ramené. Sur moi. Tu cries je sur moi. Ici. Tu cries sur moi. Parce que tu sais moi, même, moi, tu sais quand même moi... qu'il est plus mignon que toi, ça te rend jaloux à ce point. Encore bon, on passe à le comment bonbon moi bouin ça. De quoi choco. Je te comprends mais calme-toi. C'est mon ami. C'est mon ami. C'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. Tu as compris? Tu as compris, non? Faut même plus me déranger pour ça. Quand te déranger, on a souffert la montée. Faut plus me déranger pour ça. Michou, 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 tu le ramènes depuis quoi? Avec Ola, là, n'est-ce pas? Sauf pas l'ingénieur, là, on l'a dans la chambre, on va visiter Ola, là. Puis moi, ça va pas me déranger.